Ça va? Espérons que ça va, mais on va rendre à ces gens-là. Il faut un retour. Quoi? Il faut un retour. Non, mais c'est comment? C'est ma gueule. Les minutes qui suivent, la puissance. Elle n'est pas sorcière, il faut que j'explique ça aux gens. Parce que les gens ont commencé à... Non. Ils lui ont mis un esprit en elle, qui vit en elle. Et j'aurai l'occasion d'expliquer ça tout à l'heure. Elle n'est pas sorcière, mais il y a un esprit qu'on a introduit en elle, qui vit en elle. Par contre, il y a des esprits aussi. Là, il y a des sorciers qui peuvent venir s'incarner en vous pour quelques heures pour répartir. Et vous rencontrez des bêtises. Et puis après, j'ai le témoignage d'un monsieur, on dit qu'il est venu de l'Afrique. Il a pris la raquette de baseball. Il a tué sa femme. Il a tué tout le monde de la maison. La police vient et dit, c'est bon. À votre avis, qui a fait ça? C'est un sorcier. Oui. On va découvrir un enfant à Abidjan, ça fait maintenant 2 semaines, au plateau de Cuy. Il quitte Yopougon, il va vivre avec ses soeurs. Et la nuit, il prend un pilon, il en sort sa soeur de 17 ans, pendant qu'elle dormait. Également une autre de sa cousine, 14 ans. Les gens, les enfants, il disparaît, il revient après sur les lieux. On lui demande, il dit, c'est la sorcellerie. Et les gens, d'ailleurs, pas ça comme à la maison, c'est quelque chose de véritable, tu dis les gens, mais c'est la sorcellerie. Nous sommes habitués à ça. C'est ce que nous entendons chaque jour. Elle dormait, je l'en sommeil avec un pilon. On a l'habitude d'entendre ça. Ne banalisez pas les choses. Quelqu'un qui est normal ne peut pas aller tuer personne. Écoutez. Vous devez comprendre. Chez les blancs, dis-moi, faut qu'on. Est-ce qu'il n'est pas mentalement. Il faut une thérapie. Écoutez, il est sorcier. Il va rester à faire des thérapies. C'est un démon qui est en lui. Vous ne croyez pas ça? Ah non, c'est pas mystique. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'il a poussé à faire. Et après ça, il s'en rend compte qu'il vient de faire une bêtise. C'est la sorcellerie. Il a été poussé par un esprit. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Faire. Vous devez prier chaque jour pour ne pas que vos cœurs soient manipulés par le diable. Prie pour le cœur de ton mari, prie pour le cœur de ta femme. Allez, moi, tu ne reconnais plus ta femme, mets ton genou. Parce qu'il y a un esprit qui commence à l'influencer. Tu ne reconnais plus ton mari, mets ton genou. Parce qu'il y a un esprit qui l'influence. Ne te mets pas dans le jeu parce que l'objectif, c'est de vous séparer. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. C'est très important de savoir c'est le diable ou c'est pas le diable. C'est pas le diable. Lui-même avait fait des bêtises. Mais c'est le diable qui peut pousser une personne à faire des bêtises.
On a bien saisi. Amen. La puissance de Dieu. Dieu te guérit maintenant. Dieu te guérit maintenant. Sa puissance te libère maintenant. Je sens que la chose en train de marcher est en train de progresser. Jésus-Christ veut te délivrer maintenant. Tu sentiras l'envie de rendre. Ça sera ta délivrance. La puissance de Dieu. C'est puissant de Jésus. Il faut attention. Il touche. Il touche la puissance de Dieu. Nous sommes tous un en Jésus. Parce qu'il a payé la dette. Lâche. Cette vie est pour toi. À partir de Jésus. Là où Dieu nous joue, dans son ventre, sort. C'est la place. Il sort. Voilà, sort. Lâche. Lâche.
Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter son corps. Soulevez-la. Je vais montrer à cet esprit que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut qu'il fléchisse chez nous. Qu'il reconnaît la puissance de Jésus-Christ. Tu vas. Donne-moi un panier aussi. S'il vous plaît. Lâche-la. 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 Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Si. Si. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas libérer sa vie. Maintenant, tu vas dégager. Allez, lâche-la. 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 Au nom de Jésus, lâche la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te délivre. La puissance de Dieu. Soyez vigilants, les esprits vont se manifester comme ça. Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu. Il y a une onction qui est dans la salle. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir.
va passer. Tu vas lâcher. Voilà, lâche-la. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà. Attends. Allez. Allez. Va-t'en. Si, va-t'en. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez. Qu'est-ce que tu vas? Tu pars. Tu pars. Lâche. 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 Sera plus ton esclave parce que Jésus-Christ a vaincu. Lâche-la, c'est un homme. Quitte sa vie. Moins de bruit, s'il vous plaît. Lâche. Il est
Jésus,
de Jésus. Fais les âmes d'or, le sang de Jésus. Thank you.
Yeah.
chercher là. Thank you.
En tant que s'il vous plaît, laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. Avec l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup d'improvisation souvent. C'est comme ça le ministère prophétique. Amen. Amen. Je vous exhorte à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ce soir. Il te faut Jésus. Amen. Il te faut Jésus. Bien aimé, parce qu'après la mort, j'ai une autre vie. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai qu'il y a une situation qui t'a conduit ici. J'aimerais que Dieu détende ta situation. Amen. Ok. Mais il faille que tu l'as dans ta vie. Que tu aies ce Jésus-là. Sauveur, très bien. Mais qu'il soit le Seigneur. Le maître désormais de ta vie, en fait, il conduit ta destinée. Amen. Et ceux qui aimeraient l'accepter comme Sauveur et Seigneur, lèvez simplement le doigt. Vous levez le doigt et vous tenez debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Je ne peux pas me dire ça.
ne va pas. Amen. Levez le doigt. Levez la main en l'air. Amen. Les mains enlevées, on laisse ainsi dans le bonbon. Ça dit, je n'ai plus de volonté. Je reconnais que tu es mon sauveur. Et que je crois en toi. Et je veux que tu sois le maître de ma vie. C'est si dans mon nom. Il dit dans sa parole, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Peu importe une faute que j'ai commise, peu importe. Pourvu que tu reconnaisses qu'il est sauveur. Amen. Amen. Et tu pardonnes. Et en même temps, il faut que tu sois le maître de ta vie. Tu ne dois plus dépendre de toi. Tu dois désormais faire la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. On dit être Seigneur. Que Jésus-Christ devienne le Seigneur. Et que tu dépends de lui. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à soi-même. C'est-à-dire que tu n'as plus de volonté. C'est ça le discipline. Oui, disciple de Jésus. Tu n'as plus. Tu feras que ce que Dieu te demande. Amen. Fais la prière avec moi. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur, le Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Pardonne tous mes péchés. Accepte-moi tel que je suis. S'il te plaît. Rends-moi mon cœur. Délivre-moi. Et fais de moi un véritable croyant. Merci. Merci. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Merci. Merci. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Merci. Merci. Action. Action. Voilà, c'est les esprits familiaux qui se manifestent. Parce qu'il y a des familles où on ne doit pas accepter Jésus. Donc cette prière a fait que l'esprit en train de se manifester, mais il va partir. L'esprit ira. Si, il va partir. Nous continuons la prière. Laisse ça comme ça. Et puis nous continuons la prière. Prends soin mon cœur. Je décide. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Tout le reste de ma vie. Tout le reste de ma vie. Merci maman, accepte. Merci maman, accepte. Merci maman, pardonne. Merci maman, pardonne. Désormais, tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyons là soir. Vous bénissez le premier engagement. Et ça, c'est vraiment très important. Avant de vous recevoir en privé, avant de faire quoi que ce soit, il faille que vous acceptiez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et maintenant, ma soeur, ça va continuer comme ça, et pas. Ça va continuer comme ça. Il y a des familles où on ne doit pas accepter Jésus. Hein? Non, tu as quoi, Macha? Vas-y, vas-y. J'ai donné un truc très important tout à l'heure comme information. Vous l'avez accepté, n'est-ce pas? Amen. Je te reçois. Non, vas-y, ça se pousse. On l'a su. Amen. Amen. Vous l'avez accepté tout à l'heure. Stéphane m'aura dit que le début de l'âme, il me faut du bouton pour que je puisse pas changer. Pourquoi tu gères comme ça? C'est mon chargeur. Mon chargeur quoi? C'est des chargeurs, il n'y a pas de mieux pour moi. Je
Jésus. Pas Dieu en temps d'agir et les sorciers de manger, c'est que Dieu s'est retiré. Et la seule chose qui fait retirer Dieu, c'est ta vie de péché. Si tu viens être ami de Dieu, c'est vrai que lui n'est pas fait, mais bien aimé, on peut avoir la grâce de Dieu. Amen. Essayez de marcher selon Dieu. Il a besoin d'être ami. Toi-même, tu sais, Jésus, Marie, de Susan, c'est la bonne. Et tu fais. Il y a les péchés, on n'a pas bien expliqué. Tu connais. Si ton départ a dit la condamne. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc c'est clair. Ah, il a accepté. Mais il faut qu'il soit le Seigneur de ta vie. Ça, c'est très important. À partir de là, qu'on prend le temps de maintenant s'occuper de vos problèmes. Les gens pensent qu'ils sont là, ils n'ont pas de fleurs à foutre. Le prophète va prier pour eux, aller équilibrer, ils vont à la maison. Et puis ils vont continuer de vivre cette vie de péché. C'est pas le christianisme. C'est que ce n'est pas un message du christianisme. La seule condition qui permettra à Dieu de continuer de se manifester et de te protéger. On est l'ange de l'éternel. Quand on reçoit tout ce que le crée, que le crée. Il nous arrache du danger. Alléluia. Ce sera le plus toujours mon cœur. C'est le plus important. Ah, cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais de par-dessus tout. Il n'y a que Dieu seul qui peut dompter ce cœur. Dieu qui peut dompter ce cœur.
quand tu dors ici, Seigneur, aide-moi. Tu te lèves matin, aide-moi. Et tu verras l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous fortifie. Ça sera comme ça tout le temps. Mais je pense que je me suis fait entendre. Je pense qu'on a bien compris ce que j'ai dit. Et je pense qu'à partir de maintenant, vous devez chercher un endroit. Celui qui ne partait plus à l'église, qui cherche à prendre le chemin de Dieu, celui qui ne croyait pas, qui commence à servir Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. On va bien saisir. Voilà, que Dieu bénisse. C'est toute la soirée, hein. Donc je vais pas là-bas. Je n'ai pas encore commencé à prier pour les malades. Oui. Parce qu'avant de commencer la réception, on va d'abord prier pour les malades. D'abord. On va prier pour les malades. Et après ça, on aura des réceptions individuelles. Moi, je suis là jusqu'au petit matin. Je suis déjà prêt pour ça. Alors, amen. Alléluia. Je me suis déjà demandé pour ça. Je vous ai déjà expliqué pourquoi il porte une robe rouge. Sinon, c'est plutôt rouge. C'est celui qui s'en scandalise, je m'en fous de lui. Ouais, parce qu'il y a des choses quand tu ne connais pas, il faut demander. Je vous ai déjà expliqué. Moi, je ne crois pas que je sois païen. Je ne crois pas que je travaille pour le diable. Ça, je ne crois pas. Mon ministère a sauvé beaucoup de gens. Et des sorciers sont devenus des pasteurs. Dans mon ministère. Amen. Donc je ne crois pas que je sois. Et les gens ne comprennent pas, ils vont trouver. Eux, ils veulent voir le fétiche partout. Moi, je ne prononce pas ça. Le diable, c'est pour mon camarade. Non. Ah non. C'est-à-dire, vous pensez que c'est diable qui est faux. Il est faux. Et Dieu n'est pas faux. Il y a des gens qui sont experts à insulter les pasteurs. Qui ont des puissances éternelles, on les insulte souvent. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un monsieur, un grand prophète, qui disait qu'il me découvrait qui je sois. Et dans son humilité, il m'interpelle pour dire, écoute, Dieu me révèle quelque chose sur ta vie. Je crois que tu fais partie de cette vague des hommes de Dieu africains qui vont démontrer la puissance de Dieu. Amen. 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 Moi, j'ai été converti dans la puissance. Quand je ne ressens pas l'onction, je ne bouge pas. Ceux qui sont dans l'onction, ils savent. Ils savent. Amen. Amen. S'il n'y a pas l'onction, quelque part, vous tous, vous mourrez spirituellement. Amen. Parce que l'onction renouvelle tout. Amen. C'est l'onction qui attire les âmes à l'église. Amen. Pour ça, je vous encourage à prier. Pour que Dieu suscite des ministères, que Dieu ait des dons. Chez nous, on a des rencontres tous les lundis à l'église chez nous. Nous prions pour les dons de l'église. Il n'y a pas seul le prophète en train de manifester. Ça nous excite. Amen. Chacun a appelé à exercer un ministère. Amen. Et si quelqu'un exerce un ministère, il ne faut pas lui tousser. Amen. Je suis l'homme qu'on ne vit pas parce que ça arrive à Jésus. Et je leur dis, vous êtes des pasteurs, mais j'ai tout de votre ministère parce que vous n'avez pas le discernement. Montrez-moi, vous les pasteurs, un sorcier que vous avez délivré. Parce que je vous entends parler sorcellerie, sorcellerie. Mais on n'écrit pas sorcellerie. Il faut démontrer par ton témoignage que tu as délivré quelqu'un qui est sorcier, qui est dans le ministère. J'ai eu à délivrer des gens qui étaient des bruteurs, qui allaient physiquement attraper des bébés, immolés pour faire des pratiques rituelles. Je suis devenu évangéliste qui existe dans mon ministère. Amen. Mettez là pour insulter les gens parce que c'est internet. Ils ont dit ça sur toi, mais ils ont dit, mais je m'en fous de ce qu'il dit. Ça n'a pas dit, c'est vrai. Ça n'a pas dit que tu dis, le gars, il dit, c'est vrai. Tu as quelle preuve? Moi, je suis un lecteur de la Côte d'Ivoire.
Je continuerai de poursuivre les sorciers. J'attends qu'on nous ouvre la porte du Cameroun. Je vais le montrer. Viens Jésus-Christ. Ma fille Yvonne, ça va. Les gens de Toulouse, venez vous les beaux. Moi, c'est vous les six prochains. Je serai en Toulouse. Merci pour cette délégation de Toulouse. Que Dieu vous bénisse. Enfin, Toulouse, je lève, je lève bien maintenant. Je sais pas, et que Dieu te bénisse. Ce que tu oublies, c'est que je l'ai dit. Et que tu vas y ton nom dans mon album. Tu as pris ça? Ah, tu sais pas. Ah, Yvonne aussi. Tu sais pas, mais on va aussi l'album. Ouais, c'est les gens qui sont battus dans le secret, on ne s'est jamais vu. Mais lui, son appel est prophète, Razo, reste tranquille. Il peut donner un point pour ça. Dieu te bénisse. Amen. Et c'est la semaine sur la prochaine à Toulouse. Parce que cette semaine, je pars en Suisse. Et c'est la semaine prochaine en Suisse. Je serai à Zurich. Je pars à Zurich. Je vais faire 6 jours à Zurich. J'ai décidé de faire une semaine, minimum 6 jours dans les nations pour permettre de vous écouter cette thérapie et de vous aider. À défaut de prendre l'avion à Bidon, qui vaut, c'est loin, vous n'avez pas l'argent. C'est vrai. Parce que la sorcellerie en train de détruire. Je veux que tu sois délivré et que tu viennes rendre témoignage à Zanapo à Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui aimeraient qu'on va parler vers eux. Non, moi on doit aller vers vous aussi. On doit s'élever par moi venir vers vous. Moi je vais faire un travail de réveil pour te dire Jésus est Seigneur. Moi je parle. Il y a des églises, vous entendrez. Là, je suis pasteur. Maintenant, demain, seulement demain, dans ton église, de faire le culte. Alléluia. Chez moi-même, a dit qu'il n'y a plus de place. Oui, jamais plus de place. C'est un bâtiment villa. J'ai commencé avec des bancs, des longs bancs. Tu dis, la gosilla, zilla. Dénise-moi. Mon bureau, c'est la cuisine. Tu lâches, je me dis, les cafards. Comment chez toi? Préparez les cafards, comment chez toi? Doucement. On a commencé. Bien dit ça. Maintenant, je viens en Europe pour délivrer. Vous trouvez que le prophète rassure les magiciens, les petits chers. Vous savez où je suis passé? C'est qui est interdit? Tu ne peux pas dire ça. Le prix que j'ai pris, je suis dans maintenant, enfin, maintenant, envahi la maison. Je me lève, maintenant, c'est ton frère village, ça. Quand maintenant, je pique, tu rends témoignage. J'étais à Zaroko où les gens buvaient encore, c'est lavé avec l'eau de marigot. Ah oui, aujourd'hui il y a l'eau potable. J'ai participé à la délivrance de leur village en payant le prix. Je suis resté pendant 3 mois sans sortir. J'étais à Zaroko. Je me lave souvent les boutons, prenais tout mon corps. C'est le prix à payer. J'ai dit Seigneur, hein? C'est pas le prix à payer. Il y a un prix à payer pour sauver les âmes. C'est le prix. À un moment, on est même passé. Les gens nous venaient en aide pour nous soutenir. C'est comme ça le ministère. Il y a toujours un prix à payer. Amen. Ma voiture s'est gâtée. Il y a une soeur qui m'a offert une autre voiture. J'étais à Zaroko, on a fini. Quelqu'un m'a appelé pour dire tiens, la voiture là-bas. Je ne suis pas le genre à demander aux gens. Parce que c'est que les gens ont des problèmes. Frère. Quand Dieu te sentira dans le besoin, le lève de moi. Amen. Amen. Quand il sentira l'utilité de la voiture, je suis monté dans les cars. Et nos cars sont les taxis. Ça c'est grave. Dieu fâche toi pour aller. Ta Bible est là. Il y a le prix qu'on a payé. Je me suis dit, bon, faut quitter dans cette histoire des K, KS, UTP, et
Il m'appelait, j'étais dans la brousse qu'on m'appelait pour dire qu'il y a une voiture là-bas, on appelait. Et la voiture se gâtait. Là-bas. Et Dieu suffit de personne. Me donner une voiture. J'ai une voiture Hyundai. It's voiture. Et j'ai reçu une autre voiture. Alléluia. It's right. Je devais construire l'orphelinat là. Il fallait commencer l'argent. J'ai regardé la voiture. Et je suis allé la vente. Une voiture de luxe. J'ai dit pourquoi? Pour l'œuvre. À cause. J'ai vendu ça 4 millions, j'ai pris les 3 millions pour investir dans l'orphelinat. Et quand on en parlait, il y a une soeur qui m'a fait une confidence, elle a pleuré qu'elle est venue à l'immigration. Elle dit, je pensais que c'était du jeu. Elle regarde, gloire à Dieu. Amen. Il faut aimer les gens, il ne faut pas aimer leur argent. Amen. 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 Aimer les gens, mais n'aimer pas leur argent. Si vous priez pour eux qu'ils sont délivrés, ça va sortir pour vous aider. Amen. Amen. C'est comme ça. Je venais, j'ai vidé tout mon compte. Pas parce qu'il y a envie de faire, mais il y avait des besoins. C'est moi qui commence. Pourquoi aller toujours dire aux gens, donnez. Et ils m'ont dit, nous-mêmes, on te met dans la danse. Il y a des pasteurs que je ne vais pas donner. Mais tu as un problème. Si tu dis le donner, c'est recevoir. Toi, tu es un modèle comment? À Divo, là, nous avons la plupart des gens qui n'ont pas l'argent. Tu vois que les gens ne vont pas à l'intérieur faire une église. C'est des pièces pleines. La vieille vient à l'église. La gosière. Merci. Elle attend. La gosia, zila, merci. Si tu veux faire 4 offrandes, la vie est prête. Parce qu'elle va, chez les boutiquiers, elle va dire donne-moi. Parce que j'ai dit c'est Dieu là, c'est la pièce qu'il veut. Elle est sortie dangereuse. L'intérêt c'est ça. Et après le clip, le fidèle veut te dire il n'a pas mangé. Tu vas le délivrer, pour ça. Il n'y a pas prière de faim. Franchement, il n'y a pas prière ton vent sera assaillé à Placali. Bah. Celui qui vous fait ça, c'est un sorcier. Et tu fais manger un esprit, il est un sorcier. Le regard pour pécher, il lui donne. Si tu ne lui donnes pas, il va faire pécher. Voilà l'argent. C'est ça que nous, dans nos églises, on a décidé chaque mois de soutenir une famille. On décide dans chaque salaire, la famille tant tenez. Parce que l'argent de l'offrande de l'église appartient aux fidèles, mais la dîme appartient aux hommes de Dieu. Amen. Priez pour les gens. Vous allez voir, s'ils sont délivrés, vous n'avez pas besoin de lui donner. Amen. Mmh. Mais, les gens ont peur de se jeter. Ils ont peur. À l'intérieur, parce qu'il n'y a rien. Mais moi, souvent, on m'appelle pour dire, ah, on t'envoie ça, il entend, on t'envoie ça. C'est lui. Quand il t'appelle, il te demande à plus de qu'il est avec toi. Amen. Ils m'ont pris des terrains habitants pour construire l'église. Et c'est des enfants spirituels qui ont l'argent. Et on le fait à soi. Et nous, mais c'est parce qu'on t'aime. On va régérer ça, tu vois, moi et banalé sont le temps. Et papa aime beaucoup, tu souffres. Papa l'argent là-bas. Tu as venu à Abidjan, on a des amis. La plupart des fidèles, qui viennent d'Abidjan. Ils viennent faire le culte chez moi, tu vois. Frère, quelqu'un qui a préparé Chuck Jen. J'aime bien Chuck Jen. Un poulet rôti. Quelqu'un qui a gaba. Qu'est-ce que tu as mangé? C'est Chuck Jen. Tu as laissé pour l'autre, tu t'aimes bien, tu as lui manger gaba, tu sais, hein, Gary. Tu vas voir Biri Biri. Si vous avez le bon plat, les fidèles ne vont pas quitter l'église.
Ils m'ont fait asseoir. Nous avons réfléchi. Peut-être que tu ne savais pas. Mais la plupart de ceux qui venaient à Timo, on a pour cette concerté, il faut que tu aies un point à Abidjan. Parce que, en tant que maman, il y a une maison aussi à Abidjan. Il aurait dit, vous risquez de me tuer. J'ai dit, oui. Vous savez comment il me suis retrouvé à Timo? C'est lui. Il m'a dit, va, dis-moi. C'est pas toi. Donc si je dois retourner à Abidjan, c'est à lui. Béni, c'est pas vous. Il a comme vraiment, j'ai dit, c'est comme ça. Il y a toujours l'espoir. Amen. Quand Dieu vous appelle, demandez à Dieu où j'aimerais que je sois. Tu peux être ici, amen, en France, et puis Dieu veut de me servir à Douaville. Il n'est pas loin de Zaroko. Va me servir à Douaville. Amen. 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 C'est ça. Amen. Amen. Ça ne m'étonne pas de mettre une église en Europe. Je suis dans mon coin, je ne suis pas merdé. Il y a beaucoup à faire là-bas. Non, je ne suis pas merdé. J'étais en pleine tournée nationale. J'ai stoppé. Parce que tous les mois de mars, jusqu'en juin, je fais une tournée internationale. Je vais repartir encore dans le village. On doit toucher Korogo, on doit toucher Mouman, on doit toucher tous les fleuves. On doit toucher les grands hommes où se trouve le mysticisme en Côte d'Ivoire. C'est notre plan, ça. Alléluia. Donc si Dieu t'a appelé, et non, du coup, tu aimerais que je te serve. Amen. Amen. Il t'appelle pour, comme c'est l'Europe. Il peut te dire non, c'est pas l'Europe. Oui. Mais l'Afrique. Amen. Amen. Si Dieu me dit va, voilà, il serait trop content. Quand vous servez Dieu en Afrique, vous êtes bien formé. Amen. Amen. Non, je n'ai pas dit que les pasteurs d'ici ne sont pas pasteurs. Amen. On fait la même œuvre. Mais je vous dis, là-bas, il y a plus de prix à payer. Amen. Ici, les voitures, on a marché. Moi, j'ai marché dans la nuit. 15 km. Ils sont obligés de marcher dans les pistes. Ah oui. Tu arrives dans la maison, il n'y a même pas de porte. On met plastique. Prophète. Tu es dedans. C'est une maison dans la place d'Aumeg, en Banco, chaleur qui est quand même fou. Maintenant, quand tu te laisses, c'est un moucheron qui vient t'acquérir. En dedans de l'eau, tu vois les arrivées dedans. Ah! Nous, on a fait ça. On va te chercher sur le vélo. Tu fais 2 heures du temps par où dans un village. Tellement que ça piste. Tu pries le Seigneur Jésus jusqu'à là, tu arrives dans le village. Et tout le monde est à toi qui s'en a sorti. Toi, t'attends, tu regardes. Le gars, tu regardes. Parce que la nuit, il va venir t'attaquer. On a payé ce prix. Pour arriver là aujourd'hui. Je suis un tournée international. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, la diaspora, j'ai aimé ça très fort pour vous. Quand vous êtes en Europe, intégrez-vous. Ça, c'est très important. Amen. Quand vous venez de quelque part, l'intégration importe. Vous êtes dans une nation. Vous devez oublier la loi de la nation. Souvent, la plupart du temps, vous venez d'une manière bizarre. Et ça vous crée des problèmes. Parce que le commencement est important. Comment tu arrives en Europe? Après, tu vas en sorcellerie. Quand tu as traversé la Méditerranée, tu n'as pas de papier. Rien ne se fait sans papier ici. C'est pas comme chez nous, tu es grand, même pas extrait de naissance, puis tu vis dans la rue. Ici, leur affaire est papier. Non, chez nous, tu as 25 ans, tu peux même pas avoir extrait de naissance. Tu as quel âge? Je ne sais même pas. Il ne sait même pas qui est quel âge. Je suis né à Gaïwa, mais comment mon âge? Il dit, ah, mon ami, mes chers, mais plus bien que toi. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas extrait. Donc, les gens aimeraient que vous ayez, n'est-ce pas,
vous arrivez à vous inclure. Ça veut dire quand tu viens là, en Europe, là, on appelle ça cas de séjour. Ça veut dire que tu n'as pas ça, on ne te prend pas en compte. Ça, c'est très important. Cherchez dans la légalité. Si vous n'êtes pas dans la légalité, vous n'allez pas voir Dieu bénir. C'est une mentalité d'Afrique là, qu'on abandonne ça. Quand vous venez quelque part, intégrez-vous. Alignez-vous à la loi de la nation. Amen. Parce que Dieu est derrière et les lois. Dieu est dedans. Si vous violez ces lois là, vous êtes en défensage avec Dieu. La plupart des gens, je n'ai pas papier. Mais tu es venu comment ici? Il est très fou, beaucoup de personnes maintenant. Hein? La guerre, les gens, vous venez vous caler. Hein, chez nous, c'est Dieu, la vérité. C'est vrai qu'on a l'or et tout ça, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est pour ça que vous voulez avoir Dieu. Dieu est venu des miracles. C'est pas quoi dire si ça va. Mais si vous venez ici, c'est écrit. Si on demande de faire les papiers, faites les papiers. Respectez les lois. Si vous ne respectez pas, faites tout dans la communauté, comme tu, vous n'avez pas papier, mangez pas là ici, mangez pas là ici, mangez foutu, à 11h du matin, je vais à Paris, à 10h, 12h, à 11h du matin. Enfin, si c'est un. Amen. Amen. Et puis, demandez, nous avons ici. Vous savez, on a la mentalité de plein là dans la tête, on est ici. Et quand tu viens, tu ne t'allies pas la loi de la France dans tes passages avec Dieu. On dit les autorités, c'est Dieu qui les établit. Amen. Les lois, Dieu est derrière les lois. On me dit, et puis toi, tu travailles au noir. Aïe, il n'a pas papier. Il prend ma vie, quelqu'un va travailler. Papa. Le roi chinois, c'est les enfants. Oui, mais parce que si on les prend, je dois qu'on va ici. Il faut qu'on vienne manger un peu ici. De la vérité, même ça choque. Si vous nous laissez, on va se développer. Maintenant, on est en train de prier pour ça. Laissez-moi un peu. Et tout le monde t'école. On ne va pas venir ici. Vous vous plaignez pour que les gens meurent dans la Méditerranée. Vous avez brigandé le CFA. Si le CFA est libéré, moi ma bouche là, ça ne porte pas ta leçon. Excusez-moi. L'apôtre Paul est mort martyr. Il a tué sa tête. À cause de la vérité. Si vous voyez que tout le monde traverse la Méditerranée, chaque fois les gens traversent, c'est parce que vous nous rendez la vie difficile. Et vous le savez. Et vous jouez. Pourquoi le monde est basé sur l'hypocrisie et la méchanceté? Vous-même, vous savez ce qui se passe. Vous faites croire aux gens que vous ne savez rien. Et que les gens. Mais si vous brigandez les choses, ils viendront ici. Ils viendront ici. Et quand tu es ici, il faut aussi respecter la loi de la France. Tu ne respectes pas la loi de la France, tu en défenses avec le pays. D'accueil qu'on appelle la France, d'Italie, de la Suisse, quelque part là, et en défense avec Dieu. Donc tu ne peux pas te bénir dans cette situation. Ne vois pas Zadi au village qui a caché tes papiers. Pardon. Zadi n'est pas dedans. Cette fois-ci, elle n'est pas dedans. Parce qu'on le voit là. Il se dit, depuis on cache mes papiers. J'ai rencontré les gens comme ça en Belgique. J'ai demandé à la fille, tu as fait comment aider la traversée l'eau. Qui depuis n'a pas le papier. Les sorciers, ils partent. Mais tu le monsieur là, il est déjà mauvais. Ça, il est mauvais. Je peux comprendre ce que si tu as caché, mais tu manges un secret. Je peux comprendre. Mais papy, là, il n'est pas dedans. Ça, là, son mari, il n'est pas dedans. C'est ta manière dont tu es venu là, qui n'est pas propre. Donc, arrange-toi. Être en règle. Tu es venu, tu es dans un camp de quoi là-même? Hein? Bon, un camp là-bas,
et tu vois qu'ils avaient caché des papiers. Attends. Aujourd'hui, là, Patrick, c'est vrai qu'il t'attaque de temps en temps, mais là où il y a un papier, là, il va t'attaquer. Pour les laisser. Amen. Souvent, vous pensez, non, le diable cache mes papiers, et puis là, mon papier ne sort pas. Mais tu lui dis comment? Les blancs ne sont pas bêtes, il faut des enquêtes, c'est bon. C'est chez nous, on est là, tout le monde venu, on se demande, mais oui, il y a combien dans le village, je ne sais pas. On est combien, mais. Ils savent, le nombre des gens qui sont à Lyon, ils savent ça. Ils sont très forts dedans. Donc, on acclame nos pays d'accueil France, d'Assise, tout ça. Merci, vos frères. Donnez-nous la liberté un peu. Donnons-nous ça. Vous allez voir que. Parce que je parle avec les gens, les immigrés, je parle beaucoup avec eux. Je parle avec eux. Le meilleur point d'investissement, c'est l'Afrique. Ils savent très bien que c'est le continent d'avenir. Amen. Le continent d'avenir. Et je continue à la Dream Terre. Il faut penser au retour. Et c'est le retour qui est difficile. Parce que tu es un pays noisi. Ah, on t'attend au pays pour les points. Tu as chopé le téléphone, tu t'as. Là, vous avez fini, je vous dis. Ça vous met que les apprends dans d'autres. Il vient avec ça. Viens, Choco. Choco, la seconde du patron blanc. On t'a vu aux oies, tu as grandi au village. Quand tu appelles maintenant, on entend plus ce que tu dis. Il y a tous les gars. Donc, tu peux qu'au village de Béni. Mais quand tu viens là, tu prends le point. Tout le monde est avec toi. Chacun va attraper ton sac. Que Dieu nous aide. Hein. Oh, il n'y a rien dedans. Rien. Donc, si, il n'y a rien. Vous gagnez 1500 euros, vous mettez 800 euros dans la maison. Que Dieu nous aide. Si vous avez l'argent, pensez à investir en Afrique. Je suis venu pour ça d'ailleurs. Pensez au retour de l'Afrique. Vous devez retourner. Vous devez encourager vos enfants à revenir. C'est leur histoire. Ils doivent connaître l'Afrique. Mais le problème, il y a la sorcellerie. Et c'est ça. Et j'ai l'habitude de dire à vos parents, quand les gens viennent travailler là, arrêtez vos histoires de 25 millions, nous ne pas pardonner. Laissez-les tranquilles. Ils n'ont rien. Et les gens qui sont comme ça dans une forme de prison, la sorcière met dans une prison, vous ne pensez plus à vous. Quand il prend. Jusqu'à l'inquiète te connaît. Madame, c'est venu. C'est le monsieur là, non? Il y a son nom ici. Je vais te fâcher, mais t'as oublié d'aller donner. Mais c'est l'esclave. Vous devez penser à vous. Amen. 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 Vous devez penser à vous. Amen. C'est pas toi qui l'as mis au monde. Alléluia. Amen. Toi, dans ta vie, tu ne peux pas les aider tout le temps. Ouais. Tu ne peux pas les aider tout le temps. Quand on refuse d'envoyer même ces 4 000, les gens sont fâchés. Oh, ils ont enfants, ils ont des femmes. Mais comment vous pensez que c'est celui qui est en Europe qui va venir mourir ta femme avec tes enfants? C'est des choses lisses. Ouais. C'est ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier dans les rencontres. On va essayer de faire une action prophétique pour que celui qui est assis sur toi, ses fesses soient brûlées. Amen. Amen. Il y a un coco. Amen. Il y a une chronique. Amen. Et puis va montagne. Tu n'as pas beaucoup de paroles à dire. Une action suffit pour te libérer ce soir. Amen. Le prophète ne parle pas beaucoup. L'action prophétique, menée sur ta vie, vient briser les choses. Jésus dit, quel sort de démon, la formule que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est ce que nous allons appliquer ce soir pour vous aider. Amen. Mais avant de passer, on va parler de l'offre, on va parler de l'ONG que le prophète Grasso, n'est-ce pas, a créé en la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique.
Nous avons démarré en Côte d'Ivoire. Nous allons arriver au Sénégal. Nous allons arriver, n'est-ce pas, au Cameroun, dans beaucoup d'autres pays. Pourquoi? Parce que le noir que vous voyez là ne pense pas à demain. On a cette sale habitude. Nous, on vit que le jour, à moins que l'enfant, on ne pense pas qu'il doit déjeuner. Quand le père se réveille, c'est à lui de déjeuner dans la maison. L'enfant a droit pendant le braiser et le rouge rouge. Quand il est fâché, mais c'est comme ça. Le papa, il mange le riz couché, son grain, un peu d'abouti là-dessus. Son vin de pâle. Maintenant, il demande, où est papa? On dit, papa est là. Papa, ça va? Oui, papa, l'enfant est fâché. Parce que le papa a déjà mangé le riz couché. Il y a banane braisée, oui. Braisée. Un enfant qui a banane braisée dans son vendredi déjeuner, il va avoir quoi dans la tête? Zéro. Il va flash au tableau. À la récréation, il va aller chasser rat. Ou bien il va aller creuser manioc. Oui, il va manger. Parce qu'on dit le ventre, si un ventre est vide, il ne va pas aller. Donc on a décidé de mettre une fondation sur place pour aider les enfants en difficulté. Il y en a partout. Nous sommes débordés. Parce que les parents, ils délaissent les enfants. Or, si vous les abandonnez, ils deviendront délinquants demain. Et ces délinquants se retournent contre la société. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. C'est comme ça. Rien ne s'est produit dans la vie. Nous, en tant que homme de Dieu. Attends, tu as tu m'amènes toi. La vérité, le démon je suis en train de parler pour un jeune. Je crie, crie, crie. Va stopper. Parce que là, c'est provocation. Je vais montrer à ce démon qui est Jésus. Tu vas la libérer. Félicité, il faut commencer à mettre mes CD là. Va partir. L'accouchement qui s'est passé. Vous allez dire non, écoutez très bien. Sauf cela que quand on lui demandait tout à l'heure, accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, le démon s'est manifesté. Parce qu'elle ne doit pas marcher avec Jésus. L'esprit même dit que c'est sa chose.
si ce n'est pas brisé, c'est un dégât dans le foyer. Sur cela, si vous avez quelqu'un, une femme, un homme, les juger les jours, que la personne soit délivrée. Si on n'est pas délivré, vous êtes dans un ministère, vous allez dans tout pleurer toujours. Les femmes, si vous tombez sur une bonne femme, ça pour vous soit fini. La femme est le don le plus merveilleux que Dieu a donné à l'homme. Celui qui lit ça, vous êtes censé. L'homme s'est senti seul. Malgré les merveilles de Dieu dans le jardin, c'est quand il a vu la femme. C'est les jours de mes jours. Amen. C'est fini. C'est pour cela qu'il faut tomber sur une femme qui aime. Amen. Frère, on se marie qu'on a rencontré l'amour. Amen. J'ai toujours dit aux gens, je suis prophète. Je ne peux pas jamais mettre deux personnes en contact sur la base de révélation. Ah oui. On ne marie qu'une femme quand j'ai vu que c'est vraiment elle. Ah, si elle est ici. Amen. Sinon, tu dis à René, je suis une révélation. Tu dois marier Honorine. Parce que le prophète a dit, on est foyer. Ça ne dit toujours. Pas là. Vous allez même dire, ah, moi-même, ce n'était pas mort, mais c'était la révélation. On ne se marie pas parce qu'on prend de l'âge. Moi-même, j'ai vieilli où je vais en enseigner. Donc quelqu'un vient, tu le prends. C'est dangereux. Amen. Il va toujours prendre 4 bleus, il va bouffer ton argent. Amen. Tu as plus de sang. Amen. Vous mariez le foyer délinquant. Qui vient vous anarquer. Vous travaillez, prendre vos 4 bleus. Arrêtez ça. C'est la plus sorcellerie. Tu prends la haine des femmes, allez chercher autre. Et puis vous voulez qu'on le prophète prie pour vous. Allez, tout le monde bêtise. Je suis terriblement comme ça. Amen. Amen. On ne se marie qu'on a rencontré l'amour. Ce principe, ne jouez pas ça. Amen. Amen. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand vous regardez les poussins, le poussin qui va devenir coq, quand tu regardes, tu sais. Parce qu'il a déjà les œufs de coq. Il veut déjà monter les œufs de coq. Et tu dis, lui, là, il sera coq. Donc le discernement, la bien-aimée, chacun a ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu regardes, elle doit devenir ta chose, tu connais. Amen. Amen. On se marie sur le principe de l'amour. Amen. Amen. S'il n'y a pas ça, c'est pareil. C'est pas un péché. Un péché. Si tu as rencontré l'amour, l'amour supportera tout. Amen. L'amour va fermer l'œil sur tout ce que tu fais. Amen. Il ne va pas voir tes défauts. Amen. Mais tes qualités. Amen. Et l'amour t'aidera davantage. Amen. 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 Ta femme est belle dans le monde. J'ai dit, c'est pas possible. C'est anti-biblique. Écoutez, vous limitez la main de Dieu. Ah non, c'est vrai. Que sur la base de la chrétienté, elle a une connaissance de Dieu. On peut l'épouser. Mais beaucoup ont fait l'expérience dans les églises, ça va marcher. Amen. On a mangé nos soeurs en Christ. Elles nous ont montré qu'il y a mis le sucre dans ma main. Amen.
Mm-hmm. Qui a vu sur la bobaye? Qui a vu sur la bobaye? Tu m'as étonné, c'est la soeur qui nous met là. Oui. Et tu es étonné. Ta femme est belle du monde. C'est pour ça que Dieu dit à Dieu, donne-moi l'amour de ma vie. Amen. 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 On a tendance à dire non, Marie, va à l'église, c'est vrai. Mais si elle connaît Dieu, la plupart des soeurs qui sont là-bas ne sont pas délivrées. Amen. On ne se marie pas pour lui, non, si le mari, il est le converti. Non. Non, papa. Dis-moi, hein, c'est démon pour ton. Tu peux délivrer? Non. C'est Marie parce qu'on a rencontré l'amour. Amen. Amen. Et les femmes, elles sont païennes. Elles n'ont pas connu Jésus. Elles sont mieux que nos sœurs qui se parlent à l'âme. Seigneur, mon Dieu, je m'élève. Sorcière. Vérité. Ne bloquez pas les gens. Amen. Amen. Moi, je suis arrivé à une dimension de la chrétienté. Je n'ai plus peur parce que j'ai fait des études. J'étudie. Moi, je n'ai pas peur. Amen. Amen. Oubliez rencontrer l'amour. Si vous rencontrez l'amour, vous êtes tranquille. Amen. Vous constatez que... Non, c'est ma chose. Amen. Non, 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 c'est ma chose. Parce qu'il y a des femmes qui sont faites pour le ministère. Tu n'as pas marié une femme comme ça, tu es pasteur ou un homme. Ah! C'est qu'elle va te montrer. Donc que Dieu bénisse. Il y a des gens qui sont possédés. Quand ils ne sont pas délivrés, ce sera difficile. Et depuis le village, sa vie a été consacrée aux démons. Et l'Esprit sait qu'elle est dans un endroit où elle ne doit pas être. Mais écoutez. Elle est contrôlée par un démon, mais elle a une volonté. C'est ça qui l'a amené à être ici. Vous dites, il faut aussi que tu fasses des efforts. Elle dit quoi? Il dit que c'est sa femme. C'est ta femme. C'est ça? Elle est ta femme. Hein? Donc, du moment là, il te marie. Donc, quand laissez nos choses là. Regarde, laissez nos choses. Nous, on se marie. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas nous déranger. Ou une belle femme, elle est possédée. Elle est la belle. Hé, tu es jolie, hein? Je te marie, je suis d'accord. Le diable met les lances au roquet dans sa bouche. Franchement, vous êtes nos mamans, vous êtes bien. Mais quand la bouche armée, vous devriez russe. My God. Vous n'avez pas ça là. Non, ça, rien. On vous touche. Vous tombez. Mais ça. Ça peut faire fuir les garçons là-bas. Elle m'appelle, papa, mon mari a fui. Il a quitté la maison. Non. Elle est chère. Le monsieur a fui. C'est qu'elle a dit au monsieur. Il préférait partir. Si il veut répondre, hein? C'est la mort quand même. Moi, je l'ai pardonné. Si vous voulez vous marier, il faut que la bouche soit des amis. Amen. Si cette bouche-là, elle est armée, garçon, quand il part, vous me dites, Seigneur, vous voyez, les garçons, mes filles, si c'est là, on dit fille, ma fille. Vous faites des pédicures, messieurs, des manicures. Et le monsieur va toujours dire à sa femme, je t'aime.
Je n'ai plus meilleur barista d'abord. Tous les matins. Je t'aime. Ça, c'est la requête. On se marie parce qu'on a rencontré l'amour. On a bien compris. Amen. Non, il est belle. C'est important aussi. Hein. Mais oui, vous n'êtes pas allé. Tout cela, c'est important aussi, le petit design. Mais quand tu vas dans une boutique, c'est Jésus que tu aimes, là, que tu prends. Fais les ténèbres et des livres, c'est dans grâce de ton cœur, Jésus. Amen. Ne dis pas, mon Seigneur, faut envoyer seulement. Hein? Non, moi, le Seigneur va envoyer seulement. Pour donner ce que mon cœur peut prendre. Et quand il voit, il connaît. Ah, qu'est-ce que ça chacun connaît son goût. Amen. Amen. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Eh, ma soeur, c'est pas. Dieu nous aide. Si vous voulez vous marier, désarmez la bouche. Une femme très douce transforme son mari. Mais une femme très douce transforme son mari. C'est la femme qui fait l'homme à 93%. 93%. Vous êtes ici, bien isolé. Il est où le papa des enfants? Le papa est isolé aussi. Il est où le père? Bien isolé. Arrêtez vos histoires là. Vous voulez bouffer l'argent des blancs? Et si c'est pas bon? Vous voulez bouffer les enfants, les blanches, quand elles ne sont pas dedans, c'est vous seulement, mais isolé, le social, mais tu vas progresser comment? Parce que le principe de Dieu pour te bénir, c'est le travail. Et toi, tu ne vas pas travailler, tu n'attends ton tout de l'État, tu seras pauvre. Écoutez-moi très, très bien. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, intégrez-vous. Le principe pour être béni, c'est le travail. Si tu es assis, quand tu donnes seulement du social, tu n'as rien consommé. On m'a bien saisi. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Ça va? Ça va. Faut te désarmer, tu vois. Pistolet qui est là, la lèvre. Le roquet. MI24, prends ça en plus, jette ça à côté là-bas. Parce que pour moi, MI24, c'est l'air. Quand ça s'élève dans sa pomme à la maison, le monsieur au bénéfice de tous, c'est des amis pour venir. La femme doit bien jouer son homme. L'homme doit être en peu. C'est-à-dire, il riche. Et l'homme doit se battre pour sa famille. Il faut travailler. Aïe, 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 ça, je ne fais ça. Il faut travailler. Travailler pour le compte de vos familles. Je ne peux pas toujours prendre la carte bleue. Tiens, ça va être impossible. Voilà, lâche-la. On va partir. Voilà. Il a peine de divorcer sa femme. Ben oui. Un divorce. Tu es le juge. Ouais, non. Tu la lâches au nom de Jésus. Si. Jésus est plus puissant que toi. Jésus est plus puissant que toi. Tu ne peux pas résister à cette action de Dieu de délivrance. C'est Dieu qui a décidé de la délivrer. Donc tu quittes son corps. Si, au nom de Jésus, lâche-la. Tu vas partir. Pas résister. J'aime quand tu me regardes comme ça. Aide-moi.
C'est toi qui attends depuis. On te soulève, j'attends. Et tu mets l'œil comme ça. Tu vas partir. Je prononce le divorce. Tout pacte, alliance scellée avec ce corps et cette vie est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Si je brise le pacte, nom de Jésus, depuis sa naissance, ce qui a été fait, qui était maintenant encore dans ce corps et dans sa vie, est brisé au nom de Jésus. Tu m'as quitté. Je n'ai jamais vu un démon résister à ce nom de Jésus-Christ. Et toi, tu iras au nom de Jésus. Tu iras au nom de Jésus. Oui, tu iras au nom de Jésus. Si, sors de sa vie. Va-t'en. C'est un ordre. Si, c'est un ordre. Si, tu vas partir. Et libéré, si tu vas partir, tu n'es rien face à la puissance de Jésus-Christ. Tu m'attends? Tu n'es rien face à la puissance de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. La puissance de Jésus-Christ te déloge maintenant. La puissance de Dieu te déloge. Lâche-la. Lâche-la. Voilà, va-t'en. Non, ne rie pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Vous devez la soutenir dans le cœur et dire au Seigneur, j'aimerais qu'elle soit délivrée. Qu'elle ne se moque. Elle est sous le contrôle d'un esprit. Ça ne doit pas vous faire marrer. La puissance de Dieu. Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter son corps. Elle dit c'est blanc. C'est blanc. Quand c'est français, il va arrêter. Tu vas partir. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Bouge, bouge.
montrer le visage. La puissance de Dieu. 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 Jésus te bénit. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. De commencer à mettre les scellés de la félicité. De poser tout ce qui est scellé. C'est tout ce qui est scellé. Voilà. On en va descendre en bas. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu est en train de la libérer. Jésus-Christ en train de faire une action très forte pour sa vie. L'esprit en train de la libérer. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes mystiques. Les chaînes mystiques. Les chaînes mystiques sont en train de tomber. Un travail spirituel que la puissance de Dieu est en train de faire dans son ventre maintenant. La puissance de Dieu est en train de faire dans tout son corps. Toutes ses semences dans le rein. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu en train de te délivrer. La puissance de Dieu. C'est le visage. Toi, tu es un cadre. Tu es un cadre. Le visage. Tu es un cadre. Où est-ce que tu as peur? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est le monde entier qui est en train de suivre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ouais. Voilà. Vous voyez que les chaînes sont tombées. Voilà, la chaîne de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà. J'ai un esprit de python au Bénin. Il y a cet esprit-là. Le serpent. C'est une alliance que les parents ont tissée. Mais c'est ça le problème que les parents font à nous. Voilà. C'est pas pour bouger. Tant que c'est la face. Oui, Jésus-Christ te libère. Jésus te délivre. Jésus, voilà, je te délivre. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Le feu, Jésus te bénit. 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 Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Oh, sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance. Voilà, va-t'en. Va. 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 Mets ça dans ta poche. La puissance de Dieu. Voilà, quitte sa vie. Quitte sa vie. Maintenant, c'est la sirène. Voilà. Maintenant, c'est la sirène. Donc, un esprit, tous les pattes sont en train d'être brisés. L'alliance est en train d'être brisée. Avec le monde. La puissance. La puissance. La puissance de Jésus. Dieu. Libère. Voilà. Le serpent python. Le serpent. Le serpent. Jésus te délivre. Voilà. Le pape est poussé. Là-bas. Elle a souffert.
Tu la vois, les jolies, viens, madame. Impossible. Amen. La vie, Jésus t'a délivré. Amen. Voilà. Jésus t'a délivré. Amen. C'est fini. Lève-toi. Elle y a la voisine,
c'est fini. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Allez-y. Madame, venez-vous. Vous venez de Londres. Ah, super. Hein? Les rapports sont. En avion, mon Dieu. En avion. Bienvenue ce matin. Nous sommes venus de Londres. Jésus-Christ, rien de délivrer, madame. On va essayer de prier que la puissance de Dieu, que la puissance de Jésus, que la puissance de Jésus vous bénisse. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Je vois un peu ta souffrance parce que tu avais épousé la femme d'un esprit, de quelqu'un. Très bien. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous pouvez expliquer un peu. C'était la galère. Mais je me suis dit que si tu es le Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, je confie tout en tes mains. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Amen. Je vous remercie. Elle a toujours souffert. Actuellement, elle ne travaille pas. C'est moi seulement qui travaille. Fait tout, je reviens du travail. Je vais sur les enfants. Parfois, elle n'allait pas se lever. Je l'ai. Oui. Des douleurs. Des douleurs un peu partout. C'est ça tout à l'heure. La nuit, il y a toujours des batailles avec. La bataille avec les esprits. Avec les esprits, oui. Sorcellerie, tout est mélangé. Et maintenant, comment tu te sens? Hein? Très bien. J'aime bien l'expression, ça va bien. Ça va maintenant? Tu sens que les douleurs ont disparu. Est-ce qu'on n'a pas acclamé le Seigneur? Ça, c'est ma carte de visite. Voilà, c'est ma carte de visite. On aura l'occasion. J'ai mon mail. J'aime tous mes téléphones privés et tout ça. On aura l'occasion de correspondre. On fait un suivi. C'est important. Voilà, pour vous orienter. De temps en temps, priez pour vous orienter. Voilà, que Dieu vous fortifie. On aura tout à l'heure une rencontre. On aura l'occasion de prier encore pour vous. Et on va les entretenir en privé. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, je suis béni. Va t'asseoir. Un démon ne peut pas rester longtemps, résister. On ne peut pas rester. La puissance de Dieu délivre toujours. Le démon, il est qui? Qui est? Où est comme un malon? Mais derrière. À mon nom, vous chasserez les démons. Ça, c'est un fétiche qui donne là? Non. C'est un fétiche qui avait ça? Non. Vous voulez vous être témoin de ce qui est en train de se passer? Amen. Je n'ai pas inclus le nom de Crasso. Vous pouvez vous mettre sur le YouTube pour insister au prophète Crasso. Moi, je suis convaincu que je ne suis pas ni féticheur, ni un marabout, je suis l'Éternel. Et je vous dérange. Je dérange vos œufs. Je vais tous vous mater. Je vais vous mater au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas vous permettre de déranger la vie des hommes. Regardez comment une femme était esclave des démons qui contrôlait sa vie et qui créait une misère à sa famille. Et c'est ça le problème. Quand quelqu'un, un monde, un couple, quelqu'un
est sous le contrôle, ça influe, ça influe. Tout le monde, ça fait tout le monde. Amen. Amen.